Les filles, aujourd'hui, on va tester du coréen halal. Yeah. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai choisi de prendre du, ça là ici, Korean Fried Dumpling. Voilà, il y a 6 pièces. Et ça ici, Dolso Bibimbap. Donc apparemment, c'est du riz en dessous. Après, au-dessus, vous voyez, il y a des œufs, il y a des légumes, etc. Et il faut tout mélanger. Donc voilà, on va goûter ça. C'est parti? Ok, lemon juice, tiens. Bon, les filles, vous êtes prêtes? Ça a l'air super bon. Alors, il est 10h30 du matin. Ici, voilà, les gens déjeunent avec ça. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer pour changer du petit déjeuner que j'ai l'habitude de prendre. Là, j'ai vraiment voulu faire à la locale. Donc, les petits dim sum, je crois que c'est comme ça qu'on dit, sont là. Alors, c'est souvent accompagné d'une petite soupe et voilà. On va tout mélanger et on va goûter à ça. Hein. Donc, on va mettre ça dedans. I put on side, hein, like this. And then we mix everything. Is it spicy? Not really. Okay, let's go. Okay, this bibimbap is a Korean dish. Bibimbap. Bibimbap. So you're supposed to mix everything on a hot pot. Yeah. And then you eat according to the Korean. It must be crusty at the bottom. Mm. Yeah. And just eat like that. Enjoy. Thank you. Bismillah. A bit spicy. No. Nice. C'est bon. Yeah, it's a little bit spicy, but it's okay. Ah, oh, it's spicy. Oh my god. Slightly spicy. C'est super bon. Franchement, c'est trop bon. On va goûter à ça. Okay. This one is dim sum. Yeah, dim sum. Dim sum. Dim sum. On va goûter au dim sum. No, sit down, sit down, sit down, sit down. Sit down. Nice. Délicieux. On est dans un food court, hein. Dans un food court. Donc déjà la note, vous voyez A. Donc voilà, A ça veut dire qu'ils sont très bien notés au niveau hygiène. Et on a pris coréen. Après vraiment il y a plein d'autres trucs, mais là j'avais envie de tester du coréen. Je referai. Mais avant d'en refaire, il faut que je teste encore plein d'autres choses. Donc voilà, j'espère en tout cas les filles que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.